since 1936 and he's going to put into the air something which is a revolution. For the first time at the Paris Air Show, this is P-38 Lightning, one of the most beautiful flying machines ever. Saint-Exupéry s'en alla vers le monde. Si je puis me permettre, de la part d'un certain nombre d'aficionados de l'histoire de France, de l'histoire de la littérature, n'oubliez pas que Saint-Exupéry, avec le Petit Prince, est l'auteur français le plus lu dans le monde. D'ailleurs, c'est l'auteur le plus lu dans le monde, puisque le Petit Prince a été lu à plus de 130 millions, a été vendu à plus de 130 millions d'exemplaires. Il serait bien que quelque part dans des collections françaises, un Lightning comme celui-là qui serait remis aux couleurs de l'avion de Saint-Ex. Ça serait quand même la moindre des choses. Celui-là, ce Lightning, appartient à une société autrichienne qui s'est fait connaître pour ses sodas. Elle s'appelle Red Bull. Et Red Bull, parce que les gens de Red Bull ont un grand respect pour l'histoire de l'aviation, parce qu'ils aiment ça. Ils ont créé à Salzbourg un musée extraordinaire dont le joyau est ce Lightning. Il est piloté pour nous par un jeune pilote de ligne autrichien qui est aussi devenu un fantastique présentateur d'avion. Il a bien de la chance, Raymond Drickman, de voler. C'est un avion extraordinaire pour son époque, 1936. C'est le premier avion à avoir flirté avec la vitesse du son, au point qu'il avait fallu que les ingénieurs chez Lockheed et Kelly Johnson en particulier inventent un système pour sortir l'avion de la compressibilité. Ils avaient inventé une espèce de frein de piqué automatique qui se déployait entre les nacelles moteurs du fuselage et qui permettait de ralentir l'avion. Sans quoi il est probable que plusieurs Lightning ont été perdus dans des piquets à grande vitesse parce qu'ils arrivaient trop près de la vitesse du son. Pour un avion dessiné en 1936, 9 ans seulement après l'arrivée de Lindbergh au Bourget, c'était quand même pas mal. Il y a là-dedans deux moteurs de 1200 chevaux, des Allison, des V12 Allison, extrêmement doux à manier. C'est un avion facile à piloter, relativement facile à piloter. Et donc, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, il ne serait pas mauvais qu'on se mette à réfléchir à la possibilité en France de créer une espèce de... créer un petit mouvement pour récupérer un Lightning et le baser ici en France et le faire voler en le remettant aux couleurs de l'avion de Saint-Ex, qu'il le mériterait vers l'ancien. Allez, messieurs les industriels, aidez-nous. C'est pas si cher que ça. Un Lightning aujourd'hui, ça vaut quoi? Même pas le quart du prix d'un train d'atterrissage d'Airbus 350.